si fort. Fort. Oui, plus que vainqueur par le sang. Par le sang de Jésus. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et tu es la vie et la mort et l'enfer. La force est en Christ. La force est en Christ. Toujours plus triomphant. La force est en Christ. La force est en Christ. Pour t'égarder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Ésaïe 43, verset 18 à 19 que nous venons de lire. Seigneur, je demande ta grâce sur ma vie. Je te prie de oindre ta parole et malgré toute ma fatigue, restaure-moi à l'instant et donne-moi l'inspiration. Parce que certainement, tu veux me parler et tu veux parler à une personne que tu as envoyée ici. Je glorifie ton nom et je bénis ta majesté. Donne-moi de t'aimer toujours, malgré les circonstances de la vie. Et de te servir fidèlement dans le nom de Jésus-Christ. Malgré les obstacles, donne-moi, Seigneur, de continuer à avancer. Parce que ce que tu désires de moi, c'est que, Seigneur, j'avance selon la destinée que tu as préparée pour moi. Merci pour ce que tu me dis de ne plus m'en tenir et me focaliser sur le passé, mais de regarder au plan que tu as pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Chers bien-aimés, la chose la plus efficace que le diable aime utiliser pour nous empêcher d'avancer dans notre vie sur cette terre, c'est notre passé. La chose que l'ennemi, celui qui ne t'aime pas, aime constamment mettre dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes rêves, où que tu sois, à tout instant, c'est ton passé. Ton passé peut être une arme dans les mains du diable pour t'empêcher d'avancer et de réussir. C'est celui qui se lève. C'est celui qui se tient debout. C'est celui qui est déterminé et qui décide, fait le choix d'avancer, quels que soient les obstacles,
Quel que soit le nombre de montagnes dressées par ses ennemis au devant de lui, c'est celui-là que Dieu fait réussir. C'est à lui qu'il donne la victoire. C'est dans la vie de celui-là que le règne de Dieu s'établit et se voit. N'oubliez pas que Jésus a dit, priez ainsi, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ton règne vienne. Il n'a pas dit que ton règne parte. Il dit que ton règne vienne. Qui règne dans ta vie? Tu vis comme un insensé. Tu te maltraites. Tu bois. Tu dors dans l'ivresse. Tu te réveilles dans l'ivresse. Tu ne sais pas où est-ce que tu as dormi. Tu ne connais pas. Tu bois jusqu'à ce que tu ne connaisses pas la route même de ta propre maison. Tu mélanges tout au travail. Tu marches. Tu sautes. Tu cours. C'est bien beau. Mais n'importe comment. Et tu te fatigues pour rien. Ça, c'est une vie d'insensée. C'est-à-dire que c'est une vie de quelqu'un qui ne prend pas le temps de calculer, de réfléchir avant de faire quelque chose. Avant de faire quelque chose. Réfléchis-en un peu. Quand tu es devant la tentation, veux-tu la vaincre? Je vais attendre que quelqu'un dit oui. Veux-tu la vaincre? Oui. Veux-tu la vaincre? Oui. Au nom de Jésus, tu la vaincras. Oui. Mais quand tu es devant la tentation qui veut dire, quand tu es devant le péché, tu es tenté, que fais-tu? Tu te livres. C'est livrer au péché, obéir au péché facilement n'est pas le chemin qui conduit à la victoire. D'abord, pose-toi la question. Ces péchés que le diable a bien emballés, pour lesquels il me tente, il me donne et il me demande d'obéir à cela. Si je le fais, quel avantage vais-je avoir dans ma vie spirituelle, dans ma vie de ministère, dans ma vie de travail, enfin dans ma vie quotidienne? Quel avantage? Quelle serait la bénédiction que je vais avoir? Voici la question d'un homme sensé, rempli de sagesse devant le péché. On dit amen. Et tu te poses ensuite la question de savoir, mais quand je vais commettre ça là, je vais faire ça là, qui fait pression et oppression sur moi, je n'arrive pas à dormir. Je pense à cela. Cette tentation qui est si offensive dans ma vie. Mais si je fais cela, ne va-t-elle pas me détruire spirituellement, ministériellement, professionnellement et de ma vie quotidienne? Tu te poses d'abord la question. Parce que le péché, il détruit. Le péché, il renverse tout dans ta vie. Le péché, il ouvre les portes. Il donne le quictus au diable de pouvoir venir dans ta vie et régner dans ta vie. Qui règne dans ta vie? Père, priez ainsi, dit le Seigneur Jésus. Père, que ton règne vienne. Qui règne dans ton cœur? Avec ce cœur méchant que tu as, tu n'aimes même pas tes enfants, tu n'aimes même pas ta femme, tu maltraites ton mari, tu maltraites ta femme, tu maltraites tes enfants, tu maltraites tes frères, tu es jaloux n'importe comment, à tout moment. Qui règne dans ton cœur, monsieur le jaloux, madame la jalouse? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Arrêtons d'en être fiers. Si quelqu'un est orgueilleux, ce n'est pas Dieu qui règne dans son cœur.
Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. La terre, c'est elle que Dieu a pris pour créer l'homme. Et quand il parle de la terre, de façon aussi symbolique, il veut parler de l'homme. Comment peut-on voir le règne de Dieu en toi? C'est lorsque tu es dans l'obéissance vis-à-vis de sa parole et que tu marches dans l'amour. Il n'a pas dit que ton règne parte. Nous ne prions pas ainsi. Mais au bout des lèvres, nous sommes nombreux à dire cette prière, que ton règne vienne. Pourtant, le règne de Jésus n'est pas dans notre cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, pourtant on fait la prière, mais nous n'acceptons pas de faire la volonté de Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Écoutons les conseils du sage. Marchons comme des gens sages. Ne vivons pas notre vie à 100 à l'heure. En marchant, faisons attention aux freins que le Seigneur met à nos pieds. Et ainsi, nous saurons comment faire appel à notre intelligence qui va nous aider devant le péché. Devant le péché. Le diable a pour stratégie de nous tenir enfermés dans notre passé, je veux dire, dans notre vie passée. Mais quiconque veut faire des exploits, impacter sa génération, avancer pour changer sa génération, pour changer les choses dans sa vie propre, dans son foyer, pour ne plus qu'on continue de se moquer de lui. Quiconque veut changer les choses dans son voisinage, quiconque veut changer les choses dans son village, il doit faire une chose parmi tant qui est solennelle. Oubliez le passé. Quelqu'un dise amen. Oubliez le passé. Oubliez, c'est-à-dire oubliez tout ce qui a été négatif depuis dans ta vie, depuis ton enfance jusqu'à ce jour. Oh, c'est tout ceci que le diable rassemble chaque fois. Et chaque jour que Dieu te donne, il te plonge dans un, le diable te plonge dans un souci de ton passé. Quand j'étais, tu te rappelles toujours, quand j'étais enfant, j'avais 2 ans, quand j'avais 3 ans, voici comment est-ce qu'on m'a maltraité, voici comment est-ce que j'ai souffert, voici et voici et voici. Et ça t'éblouit au point où tu ne vois pas réellement la lumière que Dieu dégage au devant de toi, au devant de toi. Et tu avances dans le noir, pourtant, il a une destinée de gloire pour ta vie. Mais les problèmes, la négativité, la négation a tellement marqué ta vie passée que dans ton présent, c'est ce que le diable te visualise, c'est ce qui te donne toujours comme vision. Mais tu ne pourras pas devenir un homme d'impact, un homme de qui on va parler en bien. Un homme sur qui on va prendre exemple. Un homme qui va inspirer les autres. Tu ne pourras pas être celui-là. Philippiens 3, verset 13 nous dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand tu es là, tu passes toute une journée à penser que aux méfaits qui ont marqué ton passé, aux mauvaises choses qui ont marqué ton passé depuis ton enfance. La Bible te répond pour dire, en faisant cela, tu ne cours pas pour aller devant. Pendant que tu as des projets, tu veux réussir tel, en pensant seulement à ton passé, en dormant avec ton passé, en pleurant tous les jours par rapport à ce que tu as connu dans ton passé, tu vas plutôt en arrière. Tu recules plutôt au lieu d'avancer. L'apôtre Paul dit, je ne pense pas avoir saisi le prix de la victoire totale, mais j'ai fait une chose. La chose, c'est que j'oublie le passé. J'oublie tout ce qui s'est passé de ma vie, mais qui est maintenant en arrière, qui est considéré comme des choses pas importantes, parce que c'est vrai que ça s'était passé comme cela, mais ça n'a plus d'impact, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de considération. Dieu merci, je ne suis pas mort. Alors, comme je ne suis pas mort, c'est vrai, j'ai souffert dans le passé, mais je ne suis pas mort, je suis vivant si je porte mes regards sur le Christ Jésus. Il me révélera ma destinée, le plan qu'il a pour moi. Et à partir de ce moment-là, ma responsabilité à moi, c'est de courir, et c'est courir vers l'avant, pour saisir le prix de la vocation céleste. Une chose, c'est de toujours accuser les méchants, la maman, le papa, les dans une confrérie. Mais une chose est de dire que j'ai été possédé, mais c'est le passé. Depuis combien d'années es-tu chrétien? Vas-tu parler de possession du diable dans ta vie où tu es maintenant, après 5 ans, 10 années de vie chrétienne? C'est que tu es foiré. Vas-tu maintenant où tu es, après 5 années de vie chrétienne, être toujours à la même place, parler toujours de ton passé? C'est les autres, la réussite là, c'est pour les autres. Pour nous, c'est pas pour nous. Mais entre nous, qui es-tu? Mais qui t'influence? Comment tu vis ta chrétienté? Mais comment tu vois Dieu? Mais comment tu vois Jésus? Mais comment tu vois ce grand Dieu? Quelle vision tu as de lui? Et qui est dans ton cœur? Pour ne pas que ta vie change et que tu sois toujours en train de parler d'échecs. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, tu sois toujours en train de parler de cet échec, de cette mauvaise situation qui t'a frustré il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est ça qui dirige ta vie, c'est ça qui influence ta vie, c'est de ce que tu parles avant de dormir, tu te réveilles, tu parles que de la négation, de la négativité. Mais quel genre de chrétien es-tu? Pour ne pas qu'il y ait avancée, il y ait progression, il y ait l'excellence vers le but, vers l'avenir meilleur, vers un avenir meilleur dans ta vie. Alors que quand tu ouvres la bouche, tu dis que ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, 5 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Mais être chrétien, c'est un style. Mais la chrétienté, c'est un style de vie, marqué de témoignages, de bons témoignages, de victoires, d'excellence. Nous ne sommes plus une ancienne créature. La Bible dit que celui qui a donné sa vie à Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Mais dans ta vie, depuis 10 ans, on ne voit pas de nouvelles choses. Tu parles que de la même maladie. Tu parles que du même problème, de la même possession démoniaque. C'est pas normal. Quelqu'un peut-il dire avec moi, c'est pas normal? C'est pas normal. C'est pas normal. It means that something is wrong on you. C'est toi ton problème. Arrête d'accuser la grand-mère, le grand-père au village.
Parce que même s'il avait fait ça il y a 10 ans, le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, toutes ces ordonnances et ces décrets qui ont été pris contre toi ont été anéantis. L'excellence est ton partage. La réussite est ton partage. Le bonheur t'appartient. Les nouvelles choses t'appartiennent. L'intelligence t'appartient. La vie de joie, de paix et de bonheur, ça t'appartient. Quelqu'un était peut-être en train de dire, ça c'est pour vous, mais nous, on est déjà KO il y a longtemps. Voyez-vous? Tu ne deviendras que ce que tu dis de toi. Tu ne deviendras que ce que tu penses de toi. Change ta manière de voir Dieu et ta manière de te voir. Et dis ce que Dieu dit de toi. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Le passé, c'est le passé. Le présent qui compte. Le passé, c'est le passé. Le présent qui compte. Le passé, c'est le passé. Le présent qui compte. Viens à Jésus, il te donnera la vie et la paix. Viens à Jésus, il te donnera la paix. Le bonheur que tu cherches, la joie et la vie. Viens à Jésus, il mettra fin à ta souffrance. Tu n'auras plus le souvenir de ce passé douloureux. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent qui compte. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent qui compte. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent qui compte. Viens à Jésus, il te donnera la vie et le bonheur. L'apôtre Paul dit, frère, église, Silo, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est une réalité, mais moi, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Toutes les difficultés, les douleurs que j'ai connues, j'oublie cela et je me mets dans un nouveau statut, le statut de Jésus. Il dit que je ne suis plus une ancienne créature, je suis une nouvelle créature. Je pense comme sa parole dit. Et me portant vers ce qui est en avant, j'ai fait le choix d'avancer quel que soit et ce que j'ai vécu dans mon passé. Mais quand ce que tu as vécu avant-hier, hier, il y a 1 an, 10 ans, c'est ça qui est l'objet de tes pensées tous les jours. Après 10 années que l'affaire s'est passée, tu ne pourras pas avancer. Parce que tu passes un concours, ça ne pourra pas aller. Parce que tu mets déjà des limites au devant de toi. Et aussi, tu mets une barrière entre la parole de Jésus et toi. Tu mets une barrière entre Dieu et toi. Et quand cette barrière se brise maintenant. Mais comment? C'est seulement en changeant de mentalité, en changeant de vision, en changeant de conception, en changeant ta manière de voir Dieu et ta manière de te voir pour te mettre sous l'autorité de la parole qui sauve, qui guérit et qui donne la victoire. Réussir n'est pas destiné à un certain nombre ou bien style de personnes. Quand tu es Christ, réussir
Ça fait partie de ton existence, de tes promesses, des promesses de Dieu pour toi, de tes privilèges, de tes droits. Pas parce que tu le mérites, mais c'est la grâce que Dieu nous fait. Donc, ne dis pas que celui qui rend témoignage là, ceux-là, Dieu les a classés qui vont réussir. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis dans la même défaite, dans les mêmes échecs. Pour moi, c'est chaotique. Ne dis pas cela. Et si tu l'as dit hier, change ta manière de parler et de penser maintenant. Car Dieu veut que tous ses enfants réussissent. Ton problème, par conséquent, n'est plus un problème de délivrance, de t'imposer les mains à tout moment, s'il te plaît. Mais arrête de te moquer de toi. 10 années de vie chrétienne, 5 ans, on doit toujours et toujours, 20 années de vie chrétienne, 15 ans, on doit prier toujours pour toi, t'imposer les mains, remuer ta tête, crier dans tes oreilles à tout moment. Mais toi-même, tu n'es pas fatigué. Démon qui est en toi-même, il est fatigué. Mais entre nous, mais prends les choses en main. Ne laisse pas le diable avec ses mensonges. Prends les choses en main. Tu n'es pas un robot. Dieu t'a donné une intelligence. Tu lis la parole de Dieu. Si tu n'es pas fatigué, diable, le diable qui est à toi, lui-là, lui-même là, il dit il est fatigué. Parce que c'est le même nom du diable qu'on cite pendant combien? 20 ans. Donc il est si fort comme cela. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, vous mes enfants, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous atteindre, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. 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 Si tu crois à cette parole, lève-toi comme un vainqueur. Assois-toi comme un vainqueur. Lève-toi comme un vainqueur. Assois-toi comme un vainqueur. Crie comme un vainqueur. Alléluia. Acclame comme un vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu dois donc laisser des choses derrière. Les abus, la déception, les échecs que tu as connus, mais tu dois les laisser derrière. Tu ne dois plus penser à cela. Sur le coup de foudre, c'est vrai, ça peut te faire mal. Pendant un jour, 2 jours peut-être, si tu pries, Dieu te dira à pardonner, à surmonter cela. Les abus, voici. Une jeune fille qui vient me voir. Oh, jeune fille, maintenant elle a 35 ans. Elle vient me voir. Et puis elle m'explique sa situation. Elle me dit comme ça que mon problème, c'est que j'ai le bac. J'ai fait plusieurs concours qui se sont soldés par des échecs. Je suis décidé de ma vie. Même au niveau du mariage, pas que les hommes ne viennent pas, mais pour arriver à la finalité, ça a toujours été un échec. Donc, ma vie est marquée par l'échec. Il dit, ok, quelle est ta conclusion? Je suis venu prier pour que le Seigneur me délivre de l'échec. Parce que je pense que les esprits mauvais sont à la base de tout ceci. Il dit, nous allons prier. Et pendant que nous prions, le Saint-Esprit a permis que je vois dans une vision une petite partie de sa vie passée qui a été le problème, qui a été la porte d'entrée pour lequel elle est dans cette situation. Et je n'ai rien dit. Quand je finis de prier,
Je suis allé maintenant dans d'autres questions en rapport avec ce que j'ai reçu. On appelle cela la cure d'âme ou la détection spirituelle en théologie charismatique. Alléluia. Je lui ai posé telle question. Est-ce que tu dors bien? Et tes rapports avec ta mère, tes rapports avec ton père, elle ne peut pas parler. Je dis, parle-moi, tes rapports avec ton père, elle ne peut pas parler. Il dit, du courage. Du courage, parle-moi. Elle dit, de façon aussi humble, mais avec beaucoup de courage, que je n'ai pas connu mon père dans mon enfance. Ma mère a eu donc d'autres enfants. On a grandi, j'avais maintenant 16 ans. J'ai demandé à ma mère, j'ai envie de voir mon père. Même si vous n'êtes plus ensemble, je ne vais pas t'en vouloir. Tu as certainement des raisons. Mais depuis que je suis né, je ne connais pas mon père et j'appelle d'autres personnes papa. J'ai vraiment une soif de connaître mon père. Et sa mère, Dieu touche son cœur. Elle dit, voici qui est ton père, voici où il travaille, voici vers qui tu vas aller et tu le trouveras. Elle fait les démarches. Et puis elle et son père se rencontrent. Il ne la connaît pas, elle se présente. C'est la joie. C'est la joie. Mais, sauf que quelques temps après, paf, pour un problème quelconque au niveau de son travail, donc paf, on l'attrape, on le met en prison. Et c'est la fille donc qui est là dans la maison, à l'âge de 16 ans, qui est là dans la maison, qui assume tout. Et puis après, par la grâce du Seigneur, il sort de prison. Et quand il sort de prison, il vient, il retrouve sa fille, il est content. Il sort un jour, il va et il revient tardivement la nuit et il saute sur sa fille. Il la violente, il enlève tout sur elle. La fille dit, c'est qui? Elle se réveille en sursaut. C'est qui? C'est papa, c'est toi. Dit, papa, papa, pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça, papa? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu es allé chez un féticheur? On t'a dit de me livrer. Tu es dans une secte mystique. On t'a dit de me livrer, papa. Pourquoi tu es dans la peur? Elle ne reconnaît pas son père. Il viole. Il abuse de sa fille. Il la viole. Et puis la laisse sur le lit. La fille se met à pleurer. Moi, je coulais des larmes pendant qu'elle parlait. C'est dans une émotion très forte. Je coulais des larmes. Je coulais des larmes. Et puis l'embadame. Et la fille sort de sa maison le matin. Pour ne plus jamais revenir. Et quelques temps après, elle apprend que son père, il est décédé. Mais n'a pas oublié ce mal. Elle fut dans une grande blessure intérieure, dans une grande frustration. Les esprits de rejet et les esprits de révolte, de rébellion sont entrés en elle. Quand elle voyait toutes les personnes qui ont l'œil de son père, elle était révoltée. Quand elle lui adressait la parole, elle répondait mal. Elle est devenue très, 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 très agressive et extravertie. Les frères des mêmes pères qu'elle avait, quand ils font leur anniversaire, qu'on l'invite, elle ne va pas. Elle haïssait tout le monde. Ça veut dire, elle se disait, pourquoi il ne vous a pas fait ça? Vous êtes là depuis, vous êtes là avec lui depuis. Et moi qui viens d'arriver, c'est à moi, il fait cela. Et ça, le souvenir, elle a grandi, elle grandissait jour après jour, de jour en jour, avec ses souvenirs. Le diable ne la laissait pas tranquille, lui rappelait cela. Personne n'était, tu vois, même personne. Dieu ne t'aime pas, ton père, tu vois, personne ne t'aime sur la terre. Tu perds ton... Il faut te tuer, suicide-toi, regarde ce que ton père a fait. Regarde, si ton père ne t'aime pas, personne ne t'aime. Alors du coup, quand elle a grandi un peu, comme c'était une belle fille, une jeune belle fille, les garçons venaient à gauche et à droite, ainsi de suite. Ok, elle dit d'accord. Et puis ainsi de suite, elle prend bien ton argent, tu donnes rendez-vous. Et puis, de rendez-vous là, tu vas à ce rendez-vous.
et tu attends jusqu'à toi seul et tu te retournes toi seul, tu es fatigué. Elle te fatigue jusqu'à au moment où tu penses qu'elle est prête. Elle a fait souffrir les garçons. Elle a fait souffrir avec la beauté. Elle dit, je vais les faire souffrir. Elle était révoltée contre tous les hommes, tous les garçons. Tous les garçons. Parce que quelqu'un, c'est comme s'il avait un couteau à main. Il a maltraité sa propre fille pendant qu'elle criait. Il a abusé d'elle. C'est comme si c'est un assassin. Mais c'est un assassin. Il a violé sa fille. Il a violé sa propre fille. Il lui a introduit n'importe quoi comme démon et mauvais esprit. Et voici ce que la fille, donc, elle est devenue. Elle allait de gauche à droite. De gauche à droite. Cherchant la délivrance de réconfort. Mais comme elle n'a jamais dit ça, ni à sa mère, ni à quelqu'un, ni à quelqu'un, elle a réussi ses études, Dieu merci. Elle s'est forcée à réussir à ses études, mais pour avoir maintenant du travail, tout était échec, 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 échec. J'ai pleuré avec elle, vraiment pleuré avec elle. Je l'ai prise dans mes bras. Et vraiment prise dans mes bras. Mon corps était mouillé de larmes. J'étais pour elle comme un père, là. J'ai pris ma pochette. Moi-même, j'ai sué les larmes de ses yeux. Ah. Elle avait 35 ans, mais c'est comme si c'est un bébé que Dieu m'avait envoyé. Malheureusement, il y a des gens qui sont là qui maltraitent les bébés, qui maltraitent les enfants, qui n'ont pas d'égard, qui ne savent pas comment se comporter avec un enfant. Un enfant, si tu veux qu'il prenne ton bonbon que tu as, si tu lui donnes cela, il faut te faire enfant. Il sera ton ami, tu seras son ami. Mais si tu te fais grand dur, il aura peur de toi et te fuira. Est-ce parce que tu es un homme mauvais, un cœur mauvais? Si tu ne peux pas aimer un enfant, que tu maltraites un enfant, alors les grandes personnes, quand Dieu te donnera un petit rôle, une fonction, une responsabilité, c'est comme ça que tu marcheras. Tu écraseras, tu vois, tes escaliers là, ça sera la tête des gens. Et puis après, tu vas perdre cela. Parce que c'est ceux qui sont humbles que Dieu maintient dans l'élévation. Mais ceux qui sont orgueilleux, orgueilleux, alors, il enlève les escaliers à marie toi. Et puis tu tombes. Tu connais la déchéance des grâces. Devenons humbles, sages. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, mon fils, dans le Seigneur Jésus, ne fais pas cela à ton prochain. Ma fille, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas cela à ton prochain. Tu veux faire quelque chose, si c'est mauvais, réfléchis 2 minutes et dis-toi. Et mets-toi à la place de la personne dans ta tête. Mais si c'était à moi qu'on faisait cela, ce mal que je vais faire là, est-ce que ça allait me plaire? Non. Alors, dans ce cas, je ne vais pas faire ce mal. Je marcherai comme un enfant sage. Parce que quand vous grandissez, quand vous êtes un enfant ou bien non, quand vous avez grandi, ce que les parents veulent voir de vous, c'est maintenant la maturité. Et quand on parle de maturité, c'est la manière dont tu marches sagement, poliment, avec l'obéissance. Quand tu marches, tu ne dirais pas que devant toi, et puis tu marches sur les gens pour aller. Mais tu fais attention à droite, tu fais attention à gauche. Tu apprends à parler aux supérieurs, aux gens qui ont l'âge de ton papa. Tu sais comment t'adresser à eux. Tu ne t'adresses pas à eux comme tu t'adresses aux petits ou à tes amis jeunes, par exemple. Mais tu sais quel mot il faut utiliser dans le but de ne pas les frustrer, mais dans le but de les honorer. Bien-aimé, j'ai compati par la grâce du Seigneur là. Et puis, j'ai dit, ah,
je vais prier pour elle, pour que la porte fermée s'ouvre. Mais Dieu me demande de lui dire de pardonner. Oh, pardonnez-la. Pardonnez-la. Elle n'a jamais voulu pardonner à son père jusqu'à ce qu'il meure. Mais au vu de la manière dont le Seigneur m'a donné de pouvoir exprimer la compassion, l'amour vis-à-vis d'elle, elle a été touchée et je lui ai dit de pardonner à son père. Elle a commencé à prier. Elle ne peut pas. Elle se bloque. Et lui, tu vois, tu as des talents. Tu aurais pu travailler déjà. Mais il y a un blocage. C'est la même chose. Tu vois, tu as tout fait, mais il reste une petite chose. Il y a un blocage devant le pardon. Si tu demandes pardon, tu débloques toi-même ta propre vie. Elle ne peut pas. Elle pleure seulement. Quand elle arrive là, j'ai pas, elle ne peut pas, elle pleure seulement. Je suis allé encore vers elle, j'ai posé la main sur son cœur et sur sa tête. Et elle dit, Seigneur, pardonne-moi de ce que jusqu'à ce jour, je n'ai pu pardonner à mon père. Aujourd'hui, je pardonne à mon père. J'ai prié pour elle et j'ai relâché la bénédiction de Dieu sur sa vie. Relâché la bénédiction de Dieu sur sa vie. Dans quelques mois, avant la fin de cette année, elle va se marier. Dieu a ouvert les portes de bénédiction au devant d'elle. Et puis, elle est venue me voir ici pour la deuxième séance de prière. La première séance s'est faite à mon bureau qui est au boulevard Latrier, au Deux Plateaux. Et puis, je lui ai dit, mais tu as combien d'enfants? Elle dit, j'ai deux enfants. Ah, c'est bien. Alors, tes enfants, est-ce que tu les aimes? Elle dit, c'est là encore le problème. J'ai tout déversé sur mes enfants aussi. Je ne les aime pas. C'est comme s'ils ne sont pas mes enfants. Je ressens de la haine vis-à-vis de. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai eu des enfants? La souffrance que j'ai souffert dans le passé, c'est dont ils vont souffrir. Il dit, est-ce que tu les as une fois dit que tu les aimes? Elle dit, jamais. Quand on est dans la maison, ils sont loin, moi je suis loin. Surtout ma fille, le garçon, alors ça va un peu, mais ma fille, non. Et je lui ai dit, tu vas prendre le téléphone et puis tu vas parler à ton enfant. J'ai écrit ce qu'il faut dire. Et puis elle avait la feuille à main. Elle a appelé sa cousine qui est à la maison. Passe-moi ma fille. Ils sont allés chercher la fille. Et puis elle a dit le nom de la fille. Et puis elle a dit, ma chérie, considérons ma chérie Ruth. La fille est là-bas, et puis elle s'est arrêtée. Elle dit, c'est ta maman. Elle dit, parce que la fille est surprise. Et puis elle ici, elle dit, mais c'est ta maman. C'est ta maman que Dieu t'a donnée. Tu es ma fille que Dieu m'a. Elle dit, hein, tu es ma fille que Dieu m'a donnée. Je sais que tu ne comprends pas, mais je vais te dire que depuis quelques jours, j'ai trop d'amour pour toi. Je t'aime. L'enfant a commencé à craquer. Elle a commencé à pleurer là-bas. Ouais. Et puis elle m'a dit, elle pleure. Et j'ai dit, dis-lui de ne plus pleurer. Je t'aime, ne pleure plus. C'était le passé. Mais maintenant, c'est le présent. Le passé est passé. Je reconnais que je n'ai pas été gentil au devant de toi. Mais c'est le passé. L'enfant dit, mais maman, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes. C'est ce mot-là qui me fait pleurer. Elle dit, c'est une autre histoire, je t'expliquerai pourquoi est-ce que mon cœur était ainsi dur. Mais aujourd'hui, Dieu a brisé cette dureté. Amen.
Et Dieu a rendu mon cœur docile, rempli d'amour. Je me suis vu obligé de t'appeler parce que l'amour que j'ai pour toi est trop. Envoie ton petit frère. Elle a dit la même chose. Et puis, je lui ai dit après, c'est ce que tu vas faire. Achète un cadeau. Un cadeau pour lui et un cadeau pour la fille. Tu emballes ça bien. Et puis, voilà le mot que tu as écrit. Tu écris un petit mot là-dessus. Et tu précises ça pour l'envoyer. Elle l'a fait. Elle est partie. Sa maison, qui était une maison de frustration où les uns et les autres étaient séparés, où la fille se sentait rejetée, où il n'avait pas de joie, il n'avait que la tristesse. Parce que chacun pensait, surtout elle, à son passé. Et la fille passait toujours à son passé. Dès les premières heures où elle a commencé à voir clair, elle ne voit pas d'amour de sa mère. Chacun était dans son passé, dans une prison du passé, emprisonné par les pensées du passé. Il n'y avait pas de vie là. Quand elle est partie avec les cadeaux, les mains chargées, et qu'elle a commencé à les partager, et puis à embrasser sa fille, à embrasser son enfant, faire des bisous, et puis demeurer là longtemps, une chaleur s'est dégagée. Et la tristesse s'est transformée en joie. La peur est partie et s'est transformée en amour. La haine est partie, le rejet est parti, et il y a eu la réconciliation. Il y a eu là l'amour. L'amour a pris toute la place. Aujourd'hui, elle dit, papa, Vako, tu es mon papa. Il dit, je t'accepte parce que le Seigneur t'a envoyé vers moi pour t'aider, tout simplement t'aider par la grâce du Seigneur afin que tu sois épanoui. Et que tu retrouves la vie. Parce que beaucoup existent, mais ils ne vivent pas. Ils existent, mais on ne parle pas de deux fois. On dit, il est où? Oh oui, il est à Abidjan. Mais il fait quoi? Rien. Depuis combien d'années il est à Abidjan? Pour lui, on ne connaît même plus le nom. Parce qu'on dirait que c'est là-bas même qu'il est né. C'est tout ce qu'on sait. Mais il n'y a rien en toi qui impacte ton voisinage. Ni ton travail n'impacte pas les autres. Ni ce que tu fais n'impacte les autres. Tu existes, mais dans la réalité, tu ne produis pas la vie. Produire la vie, c'est être dans l'amour et être capable de donner cet amour. Ne fais pas du mal à quelqu'un, puis tu te réjouis. Dieu le vengera. Un enfant de Dieu, il ne fait pas du mal. Ni à un enfant, ni à un grand. Et fais attention. Si quelqu'un, soit ton frère, soit ton papa, il a abusé de toi, reçois la guérison ce matin, dans le nom de Jésus. Mais oublie cet abus. Si quelqu'un a abusé de toi, il t'a utilisé dans ton travail, il t'a utilisé, puis il t'a jeté dehors comme ça, sans même te payer le préavis, c'est un abus. Ce passé te suit, tu as envie de te venger. Mais tant que tu seras dans cet état d'esprit, ce que tu cherches devant, tu ne trouveras pas cela. Parce que, au lieu d'aller devant, tu vas en arrière. C'est seulement quand tu vas oublier, c'est fait passer. C'est des désagréments, évidemment. Pour certains, c'est des incidents. Pour certains, c'est autant de diffamations contre ta personnalité, contre ton honneur. Dans les propos qui t'ont été adressés, dans les comportements. Mais le Seigneur te demande ce matin d'oublier. D'oublier cela. C'est à partir de ce moment-là, seul, quand tu auras pardonné et oublié, ne plus considérer cela, que la voie de ta destinée peut s'ouvrir. Amen. Que Jésus.